Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Beaver. Si tu es intéressé par le tournage sur bois, la fabrication de stylos ou même l'achat de stylos de bonne qualité, cette chaîne est faite pour toi parce que tu vas venir apprendre à choisir ton stylo, à le fabriquer ou encore des critères qui vont te permettre de trouver un stylo qui tient la route. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas d'aller jeter un coup d'œil sur ma page Instagram, Facebook et sur ma boutique en ligne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez intéressant pour commencer, qui est les 3 choses qu'il ne faut absolument pas faire avec un tour à bois, sans quoi vous risquez de vous faire très très mal. Alors, comme vous le savez, le tournage sur bois, c'est une activité très bien, mais il y a des risques. Parce que forcément, ça implique de travailler avec des outils coupants, ça implique de travailler avec des copeaux, ça implique de travailler avec du bois, qui est une matière quand même vachement dure. Et ça implique aussi des mesures de sécurité qu'il va falloir mettre en place très vite, si tu veux pas finir avec... Alors, on va passer sur le tour et je vais t'expliquer plusieurs choses qu'il va falloir faire. Mais avant, je vais te présenter juste quelques mises en place qu'il va falloir que tu fasses. Si tu es débutant, tout de suite, il va falloir que tu achètes des gants. Ça, c'est une priorité, même si moi, je ne travaille plus avec des gants parce que avec le temps, on finit par se perfectionner un peu. Mais quand tu es débutant... tu ne commences pas dès le début à faire des choses précises. Du coup, il va te falloir à tout prix des gants pour que tu évites de te coincer les doigts ou de te couper d'entrée de jeu. Pour le tournage sur bois, qu'est-ce qu'il faut aussi? Tout dépend du modèle. Il y en a qui sont très bruyants, comme mon ancien. Là, il fallait obligatoirement un casque pour éviter de se péter les oreilles en 2 usages. Et ce que je vous incite fortement à acheter, c'est le dernier moyen qu'il faut se trouver, c'est un masque qu'il va falloir vous procurer aussi, parce que pour éviter de développer un cancer du poumon, ça peut être pas mal aussi, parce que on a appris que les copeaux de bois et la sciure, à force d'être respirés, ça peut être plus dangereux que l'amiante. Alors autant dire qu'il vaut mieux se protéger. Maintenant, je vous propose de passer sur le tour et on va regarder quelques gestes à ne surtout pas faire si vous voulez rester en sécurité derrière votre tour à bois et tourner des stylos tout en restant vous-même intact. Alors pour commencer, on va commencer par mettre au point les différents outils du tour à bois. On a dans un premier temps le tour à bois, le mandrin qui va avec, qui va vous servir à serrer une pièce pour pouvoir la tourner debout, on appelle ça. Vous avez la clé pour desserrer le mandrin, le mandrin Jacob qui va vous être très utile pour le perçage, notamment pour la fabrication de stylos. Vous avez cet outil qui va vous servir dans un premier temps tant que vous n'avez pas le mandrin principalement, ou alors pour dégrossir des pièces qui ne rentrent pas encore dedans. Et ensuite la poupée mobile, quand vous travaillez entre pointes, quand cette pièce là se trouve à cet endroit là et que vous avez votre morceau de bois juste serré entre les deux et sans se servir du mandrin en tant que tel. Après, vous avez les gouges. Les gouges, ce sont les outils avec lesquels vous allez venir travailler le bois, qu'il faut bien aiguiser pour ne pas faire d'arrachement, ça s'appelle dans le bois, et qu'il va falloir venir aiguiser régulièrement. C'est la raison pour laquelle j'ai une meuleuse là-bas, un tour et à meuler.
Donc ici c'est une goujabole, de la marque Holtzmann, comme je vous disais tout à l'heure. Et le tour à bois Jean l'ébéniste de chez Outillage 2000. Maintenant qu'on est au clair sur la composition du tour à bois et les outils, on va venir fixer cette pièce dans le mandrin, pour que je vous montre qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quelles mesures à prendre pour éviter de se faire mal. Alors, pour fixer une pièce, c'est très simple. Comment ça marche? On va venir desserrer le mandrin, dans lequel on va se contenter de glisser cette pièce et venir la centrer. Donc, avant de la fixer, je vais vous montrer. Donc, j'ai fait une petite marque avant pour marquer le centre, pour que la pièce soit la plus régulière possible en longueur. Donc, vous allez venir serrer la poupée mobile, serrer le mandrin autour de la pièce et avancer la poupée mobile pour avoir une prise. C'est à l'heure actuelle la prise la plus solide qu'on connaît et que vous pourrez faire dans votre parcours. Alors, le premier outil dont je vais vous parler, la première mise en garde que je vais vous faire, c'est à propos de cet outil qu'on appelle la plane et dont il va falloir vous servir un moment ou l'autre. On l'appelle régulièrement l'ennemi juré du tourneur parce que vous allez comprendre pourquoi. C'est un outil avec lequel c'est très très facile de casser sa pièce, voire de se faire mal. Parce que en faisant tourner le bois à une certaine vitesse, vous allez être obligé de travailler en faisant tourner la pièce. Petit exemple, comme ça. En faisant tourner l'outil sur le tour. Et on voit bien, quand on travaille de cette manière, que l'outil vient appuyer, mais seulement avec cette pointe. On peut aussi faire dans l'autre sens, avec ce côté. Mais ce qu'il y a toujours en travaillant avec cet outil, c'est une surface qui vient se décoller. Et si cette surface entre en contact avec le bois, ça mord. C'est comme ça qu'on appelle ça. Ça mord, et quand vous êtes à une vitesse de 1500 tours minute, ou si vous montez jusqu'à 2000 et plus, et ben, c'est très facile pour votre ciseau de se bloquer comme dans ce petit nœud qu'on voit là. Dans ce petit nœud et venir en fait faire voler l'outil tout simplement dans la pièce et peut-être même sur vous, ce qui peut faire des gros dégâts. La deuxième recommandation que je vais vous faire, c'est plus particulièrement avec le mandrin, parce que vous voyez, le mandrin c'est composé de 4 mors. Sur les tours à bois, c'est 4 mors. Les tours à métaux sont souvent à 3 mors, souvent des fois 4. En tout cas, il est composé de 4 mors avec des espaces libres entre chacun. Et quand vous tournez votre pièce de bois, vous avez tendance à évoluer sur la pièce dans ce sens-là ou dans l'autre. Hein. Mais ce qui arrive régulièrement, j'en ai déjà fait l'expérience, c'est de venir un petit peu trop loin et de venir juste se glisser, glisser l'outil ou pire cas de figure, glisser la main dedans. Et c'est la deuxième mise en garde que je vous fais, parce que ça peut directement amener des blessures très graves. Il suffit que vous laissiez par exemple un ongle aller là-dedans, comme ça m'est déjà arrivé, et tout de suite vous vous retrouvez avec un accident qui fait mal aux yeux et qui va nécessiter l'arrêt immédiat du tournage du projet. Une grosse erreur aussi à ne surtout pas faire, c'est que des fois on a tendance à ne pas faire gaffe quand le porte-outil est desserré, à le laisser un peu voyager où il veut, et à venir le bloquer dans le mandrin
Et surtout, ne faites pas ça, veillez bien à ne pas le faire, ou encore même d'oublier votre clé sur le mandrin et d'appuyer sur le bouton. Là, ça fait des gros dégâts. Pour quelle raison? Parce que, en fait, la puissance que va délivrer votre tour à bois au départ peut casser net le porte-outil en fonte. Je dis ça parce que j'ai un ami qui a eu le tour. Bon, je mentionnerai pas qui, il se reconnaîtra tout seul. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, à partager. Et surtout à venir visiter mon compte Instagram, ma page Facebook et mon site internet sur lequel vous verrez mes offres gratuites par lequel vous pourrez recevoir des lettres de nouvelles régulièrement pour être au courant des moindres avancées. Sur ce, je vous dis à bientôt et tournez bien.